Que c'est de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître, mais toi tu ne sais rien, 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 rien. Que c'est de mes rêves et de quoi ils sont faits. Si tu les connaissais, tu serais stupéfait. Tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais après quoi je soupire. Tu ne sauras jamais pourquoi j'aime sourire, rire, rire, rire. Tu ne sauras jamais pourquoi j'aime danser, pourquoi j'aime passer. J'ai vu Peau d'âne quand j'avais 5 ou 6 ans et ça a été une révélation. À ce moment-là, j'ai voulu devenir Catherine Deneuve. Ensuite, j'ai fait de la danse, j'ai voulu devenir Noëlla Pontois. Ensuite, j'ai fait du théâtre, j'ai voulu devenir Sarah Bernhardt. Et ensuite, j'ai fait du chant et j'ai voulu devenir Maria Callas. Avec tout ça, ça a fait un énorme mélange. Et pour revenir finalement aujourd'hui à mes amours de 6 ans, c'est-à-dire Peau d'âne, c'est-à-dire Michel Legrand. C'est une rencontre d'amitié ou d'amour, oui, c'est vrai. Vous savez, la sensibilité, c'est ce qui fait l'art. C'est important, c'est une association, une coproduction. C'est elle qui chante, mais c'était moi qui étais enchantée. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les âmes, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa flamme. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce projet a débuté il y a quelques années déjà, il y a 3 ans exactement. Avec Michel, on a décidé de faire des concerts ensemble, donc plus petite structure. Lui au piano, Pierre Boussaguet à la basse, François Lézot à la batterie et Catherine Michel à la harpe. Et c'est comme ça que tout a commencé. Puis on a fait un concert, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10, 15, on a fait toute une grande série. Et puis tout à coup, il y a une grande tournée mondiale qui se profile en octobre, novembre et décembre à la fin de cette année. Alors on a décidé d'enregistrer ce qu'on propose au public. De la même manière, c'est un disque d'accompagnement de la tournée, ou c'est une tournée d'accompagnement du disque. Différent avec l'opéra, c'est qu'évidemment on a un micro, donc on ne chante pas fort, et je dirais même qu'on chante pas en fait. Donc là on pratique vraiment l'art de la miniature, c'est-à-dire presque du murmure. La chanson est aussi importante pour moi qu'un opéra. Je veux dire, il y a des chansons sublimes qui sont nettement supérieures à beaucoup d'opéras. Donc, elle a aimé la chanson autant que moi je l'aime. Et puis, ce qui est encore plus sublime, c'est que c'est les miennes qu'elle a choisies. Vous rendez compte d'un bonheur total, quoi. Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Can you hear me praying? Anything I'm saying, even though the night is filled with voices, I remember everything you taught me, every book I've ever read.
pense que le public risque d'être un peu surpris, oui, parce que je n'utilise pas du tout ma voix d'opéra, donc on ne me reconnaît même pas, en fait. C'est comme si c'était une autre fille. Donc vous en avez deux pour le prix d'une. C'est bien. Et cerise sur le gâteau, Michel chante. Et il chante avec une musicalité impeccable. Il sait improviser, il sait scatter. Il chante tout en accompagnant au piano, bien sûr, ce qui est extrêmement difficile. Non seulement il est génial, lui, tout seul de son côté, mais en plus, il sait s'entourer et travailler avec les plus grands. Il a travaillé avec tout le monde, toute la planète, aussi bien tous les plus grands chanteurs. Il a travaillé avec les plus grands poètes aussi. Il a travaillé notamment beaucoup avec Claude Nougaro. Il y a notamment sur cet album une chanson que Claude n'a pas eu le temps de chanter, puisqu'il avait eu le temps juste d'écrire le texte. C'est mon dernier concert. Et qui est probablement une de ses plus belles chansons, de leurs plus belles chansons. Mon dernier concert sera-t-il donné dans un beau plein air, une nuit d'été ? Lorsque chante encore un lointain criquet et que les étoiles allument leur briquet. Il faut dire que Michel a un énorme avantage sur tous les compositeurs que j'ai eu la chance d'interpréter jusqu'ici. C'est qu'il est vivant. Et ça, c'est quand même bien agréable. Nous sommes de Saint-Julel, nés sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré, et mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes tenues de père inconnu. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Jouons du violoncelle, de la trompette ou du banjo, et dans la ritournelle, les calons.